Beja, une délégation équato-guinéenne reçue par le ministre chinois de la Défense nationale. Le ministre chinois de la Défense nationale, le général Liang Guangli, a rencontré jeudi à Beja une délégation conduite par Vicente Yaolemo, vice-ministre de la Défense de la Guinée équatoriale. Saluant la coopération fructueuse entre la Chine et la Guinée équatoriale dans les domaines politiques, économiques et culturels, Liang Guangli a déclaré que la Chine accordait une importance particulière au lien entre son armée et celle de la Guinée équatoriale. Pour sa part, Vicente Yaolemo a remercié la Chine pour son soutien dans la formation du personnel de l'armée équato-guinéenne et a exprimé le vœu que sa visite fasse progresser les relations bilatérales, notamment dans le domaine militaire. De nombreuses entreprises chinoises sont actuellement présentes en Guinée équatoriale. Tandis que Sinidro construit le grand barrage de Jiglo qui doit fournir au pays de l'énergie électrique, la société Dalian a construit une bonne part des bâtiments modernes de Malabo 2, comme l'immeuble de Gpetrol, ainsi que de nombreux logements à Bata et à Malabo.